Bienvenue à cette leçon. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est le groupe nominal. Les objectifs d'apprentissage. À la fin de cette leçon, tu devras être capable de définir le groupe nominal, de repérer le non-noyau dans un groupe nominal, d'identifier les composantes du groupe nominal, d'identifier la place du groupe nominal dans une phrase simple. Voyons ce qu'est un groupe nominal. Le groupe nominal, aussi appelé le GN, est un groupe de mots réunis autour d'un nom appelé le nom noyau. Le nom noyau peut être un nom commun ou un nom propre. Le nom noyau est le chef du groupe nominal. Quand le nom noyau est un nom commun, il doit alors être accompagné d'un déterminant. Prenons un exemple. Ce chien. Ces deux mots forment ce que l'on appelle un groupe nominal minimal. Le nom noyau est chien et le déterminant est ce. Voyons maintenant les déterminants qui peuvent accompagner un nom commun. Par exemple, un article défini. Le déterminant, le, qui accompagne le mot chien. Un autre déterminant est l'article indéfini. Exemple, un pour un chien. Un autre déterminant est l'adjectif indéfini. Exemple, aucun. Comme aucun chien. Un autre déterminant est l'adjectif démonstratif. Par exemple, ce chien. L'adjectif possessif est un autre déterminant. Exemple, mon chien. Le déterminant est un élément obligatoire du groupe nominal. Identifions les composantes du groupe nominal. Un groupe nominal minimal est souvent enrichi par d'autres mots afin d'apporter plus de précision sur le nom noyau. Voyons maintenant ces autres composantes du groupe nominal. Le groupe nominal minimal peut s'enrichir d'un ou de plusieurs adjectifs qualificatifs. Par exemple, le beau chien. Ici, le nom noyau chien a été enrichi de l'adjectif beau. Prenons un deuxième exemple. Le beau petit chien. Le nom noyau est ici précédé de deux adjectifs qualificatifs, beau et petit. Un autre exemple du groupe nominal enrichi de plusieurs adjectifs qualificatifs, le beau petit chien poilu. Dans cet exemple, le nom noyau est précédé aussi bien que suivi d'adjectifs qualificatifs. Le groupe nominal minimal peut également s'enrichir d'un autre groupe nominal appelé complément du nom. Le complément du nom peut comprendre un nom commun ou un nom propre. Exemple, le chien de mon voisin. Ici, le groupe nominal minimal s'est enrichi du complément du nom de mon voisin. À noter qu'il y a d'autres formes de complément du nom que tu découvriras dans une autre leçon.
Regardons la place du groupe nominal dans une phrase simple. Le groupe nominal peut être placé avant le verbe. On dit alors qu'il est sujet du verbe. Par exemple, dans la phrase « Ce chien est beau », le groupe nominal sujet du verbe est « ce chien ». Le groupe nominal peut également être placé après le verbe. On dit alors qu'il est complément du verbe. Par exemple, dans la phrase « Je regarde ce chien », le groupe nominal complément du verbe « regarde » est « ce chien ». Le groupe nominal peut également être à l'intérieur d'un autre groupe nominal. On dit alors qu'il est complément du nom. Par exemple, dans la phrase « Le bol de ce chien est vide », le groupe nominal complément du nom est « de ce chien ». Récapitulons. Un groupe nominal est un ensemble de mots réunis autour du nom noyau. Le nom noyau peut être un nom commun ou un nom propre. Le groupe nominal minimal comprend un déterminant et un nom commun, exemple le chien. Le groupe nominal minimal peut être un nom propre. Le groupe nominal peut comprendre un déterminant, un ou plusieurs adjectifs qualificatifs et un nom commun. Exemple, le petit chien. Ou encore, le beau petit chien. Ou le beau petit chien poilu. Le groupe nominal peut aussi s'enrichir d'un complément du nom. Mon voisin est complément du nom dans le groupe nominal le chien de mon voisin. Le groupe nominal peut être placé avant le verbe. On dit alors qu'il est sujet du verbe. Il peut être placé après le verbe. On dit alors qu'il est complément du verbe. Le groupe nominal peut également être à l'intérieur d'un groupe nominal. On dit alors qu'il est complément du nom. Passons maintenant aux activités. Première activité. Repère le nom noyau dans chacun des groupes nominaux. Premier groupe nominal, le chat de Sophie. Le nom noyau est chat. Prenons un deuxième groupe nominal, ce vieux livre. Le nom noyau est livre. Prenons un troisième groupe nominal, de belles fleurs multicolores. Le nom noyau est, bien sûr, fleur. Deuxième activité. Identifie le groupe nominal ou les groupes nominaux dans chacune des phrases. Première phrase.
Ces délicieux gâteaux ont été vendus. Le groupe nominal est ces délicieux gâteaux. Deuxième phrase. La rue est bruyante. Le groupe nominal est la rue. Attention, dans les phrases qui suivent, tu trouveras plus d'un groupe nominal. Mon amie Virginie cueille de beaux fruits. Le premier groupe nominal est mon amie Virginie et le deuxième groupe nominal est de beaux fruits. Quatrième phrase. Ce grand parc est entretenu par un jardinier. Attention, une fois de plus, il y a deux groupes nominaux dans cette phrase. Le premier groupe nominal est ce grand parc. Et le deuxième groupe nominal est un jardinier. Cinquième phrase. Milou est mon chien. Milou est le premier groupe nominal et mon chien est le deuxième groupe nominal. Troisième activité. Identifie les composantes du groupe nominal souligné. Première phrase. Elle portait une longue robe. Est-ce la réponse A, nom propre? Est-ce la réponse B, déterminant, plus nom commun, plus préposition, plus nom propre? Ou alors est-ce la réponse C, déterminant, plus nom commun? Ou est-ce la réponse D, déterminant, plus adjectif qualificatif, plus nom commun? La réponse est D. Une est le déterminant, longue est l'adjectif qualificatif et robe est le nom commun. Deuxième phrase. Je visiterai le parc de Casella. La réponse est la réponse B. Le représente le déterminant. Parc est le nom commun. De est la préposition et Casella est le nom propre. Troisième phrase. Notre chat dort. Est-ce la réponse A? La réponse B? La réponse C? Ou la réponse D? La réponse est déterminant plus nom commun. Quatrième activité. Dis si le groupe nominal souligné est sujet ou complément du verbe. Première phrase. Notre chat dort. Le groupe nominal souligné
est sujet du verbe. Prenons une deuxième phrase. Je visiterai le parc. Le groupe nominal souligné est complément du verbe. Nous sommes arrivés à la fin de cette leçon sur le groupe nominal. Je te dis à bientôt pour une prochaine leçon.